Ce n'est pas une bonne idée parce que malheureusement, certains patrouilleurs profitent des heures vespérales pour intimider la population. À partir de 21h, même les délinquants, soi-disant agents de l'ordre, je vais en profiter à ça. On n'a même pas besoin d'identifier qui êtes-vous. Ce n'est que l'état franc, l'état téléphone, l'état ni. Nous ne savons pas. Couvre-feu émis par l'état de siège, interrompu par état de siège, relâché encore par état de siège, nous ne savons rien. Qu'on nous sensibilise tout d'abord. La nouvelle mesure ne nous plaît pas, vu la situation que nous traversons actuellement. Il n'y a pas jusque-là de changement. Nous enregistrons des tueries chaque jour. Et même si l'on fait appel aux éléments de l'ordre, ils arrivent tardivement. Si Dieu ne protège pas la ville, aucun résultat ne sera satisfaisant. Cette situation nous a appauvris car les cours se dénouent, sont plus chers que celles de la journée. Si c'est la sécurité de la ville, ce n'est pas grave. Notre souhait est d'arriver en temps à la maison. Toutefois, la vie caractérisée actuellement par la crise économique nous pousse à quitter nos boulots tardivement. Comme journalistes, nous sommes aussi insécurisés. Comment nous sommes insécurisés? Moi, chaque mercredi, comme aujourd'hui, j'ai journal à 21h. Et déjà, la mesure dit, à partir de 21h, il ne faut plus circuler. C'est vrai, on peut exempter quelqu'un comme journaliste, mais la première tendance, quand on vous arrête, c'est d'abord vous agresser. Si tu as un téléphone, c'est le ravir. Si tu as de l'argent, c'est le ravir. Après, on peut te laisser partir, après t'avoir dépouillé de tout. Les couvre-feux seraient bons si on nous présentait exactement les résultats des précédents couvre-feux. On en a eu avec Covid-19, on en a eu avec l'état de siège, peut-être non jamais levé. Mais aujourd'hui, quand on vient encore nous dire qu'il y a encore une nouvelle mesure qui institue les couvre-feux, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Je suis ici pour tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord de cette mesure. Si c'est vraiment une piste de solution, il n'y a pas de problème. À partir de 20h ou 20h30, on peut clôturer les activités, malheureusement, avec le risque d'être escroqué.